Voisins de Rouillédou, bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans les devblogs de Rust. Mon retour se fait par petits paliers, je profite de cette semaine de la petite mise à jour du 20 février publiée par Rustafield pour créer un nouveau format consacré à Rust intitulé La Petite Mage. Il est bien entendu prévu de reprendre les devblogs sur les grosses mises à jour futures, mais une chose à la fois. Installez-vous confortablement, ouvrez les mirettes, c'est parti. Crash au chargement. Dans cette petite mise à jour, les développeurs ont corrigé le bug qui survint lors de la grosse update de décembre 2019. En effet, les victimes de ce bug seront heureuses d'apprendre que le jeu ne crashera plus pendant le chargement du serveur. Cela n'inclut évidemment pas les autres problèmes qui pourraient provoquer un crash, mais en tout cas, la mise à jour de décembre ne vous embêtera plus. La taille, c'est important. Suite à la mise à jour des routes et ajout des rocades, la taille par défaut des maps a été revue à la hausse, passant de 4000 à 4250, ce qui permet aux monuments de spawner sur des espaces un peu plus aéré. Les gros monuments passent prioritaires au spawn sur les petits monuments, ce qui veut dire que si la map est petite, il y aura quand même de gros monuments à visiter. Et les maps de moins de 4K n'auront pas droit à leur ring rocade. Effectivement, celle-ci prenant trop de place et laissant peu d'espace au reste des monuments. Waterworld au Naboo. Une nouvelle commande pour les admins a été ajoutée leur permettant de choisir le niveau de l'eau grâce à la commande env.oceanlevel, il vous est désormais possible de faire perdre pied à vos joueurs en les noyant dans les profondeurs de l'océan ou de les laisser se perdre dans le souffle du désert. Agriculture. En plus du système d'arrosage, les choses progressent pour les agriculteurs en herbe. Il sera maintenant possible de composer et créer de l'engrais. J'aime autant vous dire que le crottin de cheval aura bientôt une grande importance dans le jeu. Les plantes séchées qui auparavant étaient à jeter peuvent être récupérées pour faire du compost. Plus d'infos dans la prochaine grosse mage, j'imagine. Le cinématographe rouillé. Bonne nouvelle pour les créateurs de contenu, les développeurs travaillent sur de nouveaux outils de prise de vue pour les cinéastes qui veulent faire des vidéos sur leur jeu préféré. Pas plus d'infos pour le moment, mais je ferai tis d'impatience. En vrac. La dialbox se ferme en appuyant sur Escape, enfin. Ajout de la commande Cloud Rotation. Cloud Rotation. Pour la gestion du fog. Le temps de craft du poncho est réduit à 30 secondes. Bug des placements de panneaux résolus. Optimisation des feuillages sur la map. Et un fixe a été créé pour pallier au bug qui faisait apparaître le navire hors map, tuant immédiatement tous les scientifiques à bord. Voisins de Rouillédou, merci d'avoir suivi cette petite mage de Rust. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mais qui est donc, qui sera consacré à un personnage de jeu de plateforme. Vos retours sont unanimes. Amusez-vous bien, restez fair play. Ciao.